les différents types de nuages. Commençons tout de suite avec le premier type de nuages, les cirrus. Ce sont des nuages de cristaux de glace qui se forment en altitude. Leur déplacement donne des indications sur l'évolution du temps. S'ils se déplacent d'est en ouest, cela signifie que ce sont des nuages de beau temps et qu'ils ne donneront pas de pluie. Ils forment un voile filandreux. Cirrocumulus. Ce sont des nuages de cristaux blancs, appelés moutons. Leur évolution du temps est difficile à interpréter. Les cirrostratus, nuages de cristaux de glace en forme de voile en altitude. Les cirrostratus annoncent souvent le front chaud d'une dépression. Ils produisent des halos. Les altocumulus, nuages en masse formés de gouttelettes d'eau, appelés gros moutons, souvent rangés en sillons dans le ciel, en moyenne altitude. Ils signalent un changement de temps. Les altostratus, nuages en strate grise formés de cristaux de glace et de gouttelettes d'eau, en moyenne altitude entre deux. Ils indiquent souvent une aggravation du temps. Donc c'est-à-dire que s'il pleut, il va pleuvoir encore plus fort. Les nimbostratus, ce sont des nuages épais et sombres en strates formées de glace et d'eau, en moyenne altitude. Les nimbostratus donnent souvent des nuages de pluie, généralement mêlés de cumulus. Les stratus, nuages en strates formées de gouttelettes d'eau appartenant à l'étage inférieur. Ce type de nuage est peu structuré, ce sont des nuages sans contours précis. Souvent, on observe des limbeaux de nuages sous les stratus à proximité du sol. Ils donnent plutôt de la bruine. Pour reconnaître la pluie de la bruine, quand elle tombe, on ne voit pas l'éclat de l'eau sur une flaque d'eau. Quand la bruine tombe, on ne voit pas la trace de l'eau. Les stratocumulus, cumulus disposés en couches formées de gouttelettes d'eau ou bancs de nuages appartenant à l'étage inférieur. Malgré leur aspect menaçant et à la grande étendue de la couche nuageuse, les risques de pluie sont faibles. Les cumulus, nuages compacts formés d'eau appartenant à l'étage inférieur. Les